Phoenix. Je compléterai pas le contrat. Mon partenaire est mort. Tu penses vraiment qu'on va te laisser partir comme ça? Essayez de m'arrêter. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mes parents m'ont mis dehors. Je sais pas où aller, fait que je suis en route vers chez toi. OK? Rappelle-moi, s'il te plaît. Plus vite possible. Merci. Bye. Bonsoir. Est-ce que Jeff est là? Non. Moi, c'est Christine. Je suis la... Bon, on se fréquente depuis quelques mois. J'ai essayé de l'appeler une couple de fois pour savoir si je pouvais dormir chez, ben, chez vous. Mais il m'a pas répondu. C'est Jules, toi, c'est ça? Est-ce que je peux... Absolument. Oui? Okay. Merci. Je suis désolée d'arriver comme ça aussi tard. Je peux juste plus rester chez mes parents. À cause de ma nouvelle job, c'est juste pas possible. J'espère que je te dérange pas. Ah non, non. J'ai écouté un film, en fait. Le mythique Silence des agneaux de Jonathan Demme avec le brillant Anthony Hopkins. On était à la 55e minute quand le docteur discute de la signification du papillon de nuit avec Clarisse. C'était quoi la signification? Une transformation. Bon ben, je vais aller me coucher. Tu parles là, la chambre à Jeff? Non! Non, c'est pas par là. OK.
easy way to get laid out. Folks a little slow, I find I often have to spell it out like V-I-T-A-M-I-N-S once again. I try to hide something good to you.